Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour l'actualité, comme tous les jeudis bien évidemment. Alors on va boire un petit whisky et on va commencer cette actualité sans plus tarder. Et voilà, donc pour commencer cette actualité, vous le savez, on commence avec la voiture de la semaine qui est à gagner. J'ai encore oublié de me connecter et de faire la 2 best egg. Donc c'est la Locust qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui vient du DLC Casino. Donc il y a le test sur la chaîne concernant sa vitesse, il y a aussi la custom et son prix. Je vous invite à aller voir les vidéos. Franchement, si vous voulez chercher les vidéos, allez dans la playlist GTA Online. Vous remontez un petit peu dans le temps et vous la trouverez tout simplement. Concernant le test de voiture, le test de vitesse de la voiture d'aujourd'hui, je n'en ferai pas car elle n'est pas puissante du tout. J'ai regardé dans les statistiques et c'est la plus misérable des vitesses de sportif classique. Eh oui, c'est une sportif classique. En fait, c'est juste une voiture pour se balader simplement, pour rigoler, pour faire du RP, qui sait, mais vraiment pas pour faire la course. Elle est très très lourde, elle a du mal à tourner. Franchement, je vous la conseille simplement si vous aimez les vieilles voitures et que vous voulez vous balader avec. C'est mon point de vue concernant cette voiture. Donc là, on va commencer par les promotions, comme d'habitude, les promotions sur le site internet. Après, on ira sur les informations complémentaires de Rockstar. Et en dernier, j'aurais une chose à vous dire concernant Rockstar, parce qu'ils ont sorti de l'actualité très tôt. C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver après. On en reparlera tout de suite après. Donc, alors, on va aller sur Legendary Motorsport. On va regarder s'il y a des promotions à ce niveau-là. Donc, on a la Viscer Neo qui est 1 400 000 au lieu de 1 875 000. Très, très bonne. Super. Non, c'est une sportive, c'est une sportive. Très bonne sportive. Ensuite, on a donc la Oslo Swinger qui était à gagner récemment 590 000 au lieu de 900 000. On a quoi d'autre? La Sifter Comet SR à 744 000 au lieu de 1 100 000. On est d'accord, elle a la même forme que la Comet à 100 000. Sauf que la Comet à 100 000, vous la passez chez Benny, ça devient une Porsche 911. Que là, ça reste une Comet SR très puissante, mais c'est la même forme, entre guillemets, en plus sportif. Y a pas grand chose qui change. Ensuite, on a la Tempesta à 863 000 au lieu d'1 300 000. Très bonne Lamborghini, je ne la conduis pas souvent, mais je l'aime bien. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre sur ce site internet en promotion? On a la Zentorno, comme d'habitude, 471 000 au lieu de 725 000. Bon, c'est donné, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a plus rien. On va passer directement à Sud 61 de San Andreas Auto. Donc, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Non. Non. Ah bon? Non. Halloween va pas tarder non plus, hein, d'ailleurs. Non, non, non. Là, il n'y a rien. On en reparlera à la fin. Non, 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 non. Bon, à mon avis, là, il n'y a rien du tout. On le savait, hein, il n'y aura jamais une promotion sur une voiture comme ça. Hein. Surtout que c'est une voiture de PNJ qui achète les voitures de PNJ. Sincèrement. Non, donc là, il n'y a rien. On va passer directement à Warstock. Vous le savez, Warstock a souvent des belles promos de temps en temps. Après, de toute façon, sur le site de Rockstar, ils nous disent vraiment tout, tout, tout. Ou le site de Rockstar Mag. Rockstar Mag qui traduit en français. Vous le savez, des fois, j'attends pas. Je devrais attendre et c'est ce que je vais faire désormais chaque semaine. À chaque fois je fais bah ouais mais le site de Rockstar il traduit pas bien. Franchement je vais attendre à chaque fois maintenant le site de Rockstar Mag qui traduit correctement. Et comme ça je pourrais vous donner un max d'infos car des fois je me rends compte qu'il y a des infos que j'ai oublié de vous dire parce que c'est très mal traduit avec Google Traduction quand il traduit les pages instantanément. Donc je remercie Rockstar Mag qui traduit vraiment ça avec... avec d'une telle finesse, c'est incroyable, franchement, merci à eux. Donc maintenant je ferai ça, j'irai sur le site de Rockstar Mag, j'attendrai, et puis c'est tout. Hein. Vous aurez la vidéo un petit peu plus en retard des fois, mais c'est pour la bonne cause, vous le savez. Hein. Je vous donne un max d'infos, mais c'est pas évident avec le site très mal traduit. Donc là on a vu qu'il y avait rien, il y avait rien, il y avait rien, il y avait rien, donc là à mon avis on va aller là. Oh, y a rien du tout, il n'y a pas grand chose en promotion. On va passer directement tout de suite au site de Rockstar Mag. Et oui, on se retrouve sur le site de Rockstar Mag pour toutes les informations complémentaires de cette actualité. Donc la voiture qui est sortie, ok, vous le savez. Ensuite, donc la Winnie Dynasty. Bonus très généreux de la semaine pour les différentes entreprises que vous possédez en tant que PDG ou biker. Ainsi les gains de vente d'import-export depuis votre entrepôt de voitures. Donc l'import-export, c'est les voitures. Se voit augmenter de 50%. C'est très généreux.
On a également, de plus, les gains sont doublés concernant les ventes de vos différents lieux de production de bikers. Cocaïne, méthamphétamine, fausse monnaie, j'en passe. Des ventes d'armes de votre bunker, doublées également. Des ventes de fret aérien, de votre hangar d'avion, double argent également. Donc en gros, toutes les entreprises du jeu sont double argent. Oui, sont double argent. De quoi faire tourner un maximum d'argent cette semaine. Et aussi la boîte de nuit, si je ne m'abuse. C'est pas écrit là, il faudrait vérifier, vous savez, le revenu. 10 000 tous les 48 minutes, s'il est doublé. Là, c'est pas écrit, mais en gros, tout ça, c'est doublé. Donc, c'est déjà très, 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 très généreux. On est d'accord, hein? On est d'accord. Ensuite, on a direction le casino. Cette semaine, vous pouvez remporter la voiture, la Oslo, hein, la Oslo Locust. Ensuite, on passe aux promotions. Donc, en plus, ce qui est très généreux... Il y a 50% de réduction sur toutes les entreprises suivantes. QG de motard, rénovation, atelier de moto, QG motard, lieu de production de biker, bureau de BDG, bunker, rénovation, amélioration, hangar, rénovation, amélioration, atelier du hangar, boîte de nuit, rénovation, garage de boîte de nuit. Côté véhicule, 5 véhicules, donc ça, on les a vus. Et terminons par Twitch Prime. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec Twitch Prime ? Alors, vous pouvez toujours obtenir la suite Deluxe Basique gratuitement, ainsi qu'un remboursement intégral en cas d'achat du bunker du Lago Zancudo et hangar 3499 du Fort Zancudo. 10% supplémentaire sur toute la réduction du haut, plus 85% de réduction sur le Savage et 80% de réduction sur la Grotti Vision. Eh bien, j'espère que cette actualité vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. Franchement, bombardé de pouces bleus. Toutes les entreprises sont doublées en thunes. Donc, franchement, faites-vous de l'argent. Faites-vous plaisir. Et ouais, ouais, ouais. Donc, vraiment, l'abonnement, ça me ferait super plaisir. On est 800, bientôt les 1000. Au 1000, il y a un concours qui sera sur mon Twitter. Je le répète. Donc, un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Le partage sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous compte Twitter ou compte Facebook. Des fois, il y a des concours que je partage, etc. Des petites infos, des petites vidéos. Enfin, un petit peu de tout, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai pas encore notifié, je sais, les vidéos qui sont sorties depuis lundi. J'ai pas encore eu trop le temps. Mais je vais le faire. Donc, la dernière information. Alors, ça tombe pas directement de Rockstar. Mais le patron de Rockstar Mag et moi-même pensons qu'il va y avoir une grosse annonce, ou du moins une annonce assez importante chez Rockstar directement, qui vont nous annoncer tout à l'heure cet après-midi ou ce soir concernant peut-être un DLC Halloween pour Red Dead Online. Je l'espère, il l'espère aussi sincèrement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu. Cette actualité est vraiment très, très sympathique. On est d'accord, toutes les entreprises doublées en argent. Et en plus, donc la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est quand même que Rockstar nous a sorti l'actualité très tôt. On est d'accord. Ce qui veut dire très tôt veut dire forcément une annonce. Ce qui veut dire, roulement de tambour, que Rockstar va peut-être nous annoncer un DLC Halloween, ou du moins un événement Halloween pour Red Dead Online, je l'espère sincèrement. Côté Rockstar Mag, le patron pense aussi que Rockstar vont annoncer quelque chose, donc on est quand même deux, hein, et plus à se le demander. Donc ça va pas tarder, si un trailer ou quoi, je vous le balance, et on fera ça ensemble, on verra ça ensemble, comment ça se passe. Allez, ciao tout le monde, et puis portez-vous bien, et peut-être à tout à l'heure.